Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies recense plus de 4600 nouvelles victimes civiles de l'invasion russe en Ukraine entre le 1er février dernier et le 31 juillet. Parmi elles, 1028 personnes tuées. Le HCDH accuse la Russie de torture et d'inhumanité systématique dans les régions occupées. Les témoignages des survivants décrivent d'inimaginable cruauté, incluant des accounts terrifiants of electric shocks, sexual violence and severe beatings, which in some instances led to broken bones and smashed teeth. Countless detainees were also forced to praise the Russian Federation, learn and sing Russian songs, and suffered severe beatings for failing or for speaking Ukrainian. Appalling detention conditions, including food and medical shortages, poor living conditions and sleep deprivation persisted. Au total, les Nations Unies recensent près de 10 000 civils tués au cours de l'invasion russe. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme indique qu'il ne documente que les meurtres confirmés et que le nombre réel de victimes est donc beaucoup plus élevé. Le HCDH s'inquiète également de l'assimilation forcée dans les territoires occupés, d'autant plus que la Russie a commencé à distribuer ses passeports à la population locale. Il accuse Moscou de mener une campagne agressive qui aggrave les risques d'arrestation arbitraire et de persécution de ceux qui résistent.